Bonjour, moi je m'appelle Fatima Gabriela Salazar Gomez. Je suis résidente de Montréal-Nord. J'ai grandi toute ma vie dans le quartier. Puis j'ai parti l'initiative d'un club de lecture sur de BD féministes. Puis l'objectif du club de lecture, c'est d'aborder des sujets d'actualité sous le regard du féminisme, mais aussi de partir à la découverte d'autrices et d'auteurs issus de différents parcours et diversités. Ça va déjà faire un an que j'ai parti le club de lecture. C'est une initiative que j'avais approchée Maude, l'une de mes bibliothécaires avec qui j'ai la chance de travailler dans le cadre de mon travail professionnel. Puis j'y avais dit que j'avais vraiment envie de créer une initiative qui me permettrait finalement de rencontrer mes voisins et mes voisines sous un autre regard parce que, dans le fond, la raison pour laquelle j'ai parti le club de lecture, c'est que j'avais quitté le quartier pour mes études, puis là j'y revenais m'établir définitivement. Puis j'avais plus de réseau d'amis, puisque tous mes réseaux d'amis, surtout de ma tranche d'âge, restaient dans les quartiers centraux. Puis fait que je voulais me reconstruire une base de gens, puis je me suis dit, ben, il n'y a rien de mieux que les bibliothèques pour partir à la rencontre des gens de mon quartier. J'ai aussi partagé mon amour de la bande dessinée aussi, là. Genre, moi, je suis vraiment une grande fan de bande dessinée, puis je trouvais que c'était un médium que, à l'âge adulte, tu sais, on n'explore pas souvent, c'est un peu comme. Tu vas t'associer un peu avec une geek, ou peu importe, ou comme c'est pas de la vraie littérature pour certains et certaines, alors qu'il y a de la bande dessinée qui est super intéressante. Moi, c'est vraiment mon médium de lecture le principal. J'en consomme énormément. Fait que je voulais aussi montrer que la bande dessinée permet d'aborder des sujets complexes, difficiles, que parfois la littérature peut pas nécessairement. Pas que la littérature peut pas aborder, aborde, mais qu'il y a un manque, quelque chose qu'on n'illustre pas, qui est possible avec la bande dessinée, par exemple. Bande dessinée Wake sur, dans le fond, la révolte des meneuses d'esclaves dans les bateaux. Puis c'était super intéressant de voir et de vivre les émotions de l'autrice de la bande dessinée qui nous partage quelque chose d'intime. Le club de lecture, c'est d'aborder la bande dessinée sous un autre regard aussi. Puis de donner place à des autrices, puis des bandes dessinées autres que les Tintins et les Lucky Luke de ce monde, en gros. Là. Percole beaucoup avec l'actualité, finalement, aussi. Je me donne une mission, en quelque sorte, aussi. J'ai un exemple, là, on a lu la bande dessinée « Qu'est-ce qui se passe avec toi? » qui aborde la grossophobie, dans le fond, dans cette bande dessinée, et les troubles alimentaires liés. Et là, c'est sûr que moi, je rêverais que d'autres bibliothèques reproduisent mon initiative. Parce que c'est faire découvrir la bande dessinée, mais c'est d'aborder aussi des sujets d'actualité, des enjeux sociaux finalement que peuvent vivre nos arrondissements, notre quartier, dans le fond, le milieu de vie dans lequel on vit. Puis ça permet d'avoir un dialogue avec d'autres personnes que je rencontrerais pas définitivement. Fait que ça permet d'ouvrir des ponts puis de créer des liens avec des personnes que dans la vie tous les jours je vais pas côtoyer. Je donne un exemple, tu sais. Je pense à Manon qui vient de Pointe-aux-Trembles, qui est une femme à la retraite, qui vient à tous les clubs de lecture. Mais moi, j'aurais pas la chance de rencontrer cette personne-là ou de la croiser dans la rue, puis de prendre le temps de l'écouter, puis de dialoguer sur ces enjeux-là. Fait que oui, je trouve que ça crée des ponts, ça nous ouvre l'esprit, puis un espace d'éducation où est-ce qu'on peut se permettre de faire des erreurs. Moi, j'ai beaucoup baigné dans les milieux militants féministes. Puis, tu sais, là, faut t'arriver préparé, que tu t'es articulé avec un langage. Moi, je délaisse vraiment ça au club de lecture. On est là vraiment pour apprendre, on est là pour justement se faire immerger sur des choses qu'on peut-être qu'on savait pas, des réalités complexes qu'on comprenait pas, des termes qu'on savait pas. Je donne beaucoup cette place-là, puis je pense que si d'autres bibliothèques le faisaient, ben ça permettrait de rentrer en dialogue des communautés ou des personnes, des générations différentes, puis d'essayer de justement mieux se comprendre. Puis ça me permet de nouer des amitiés à l'extérieur de mon club de lecture, puis ça, c'est riche. Ça m'est venu instinctivement parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour des gens de ma génération, mais comme de mon âge, là, moi j'ai 30 ans, puis il n'y a comme pas de lieu pour les gens de 30 ans pour se rencontrer, tu sais, comme dans mon arrondissement, dans la place municipale, j'ai l'impression. Puis là, je me suis dit, ah, mais quel espace mieux que la bibliothèque où est-ce qu'il y a plein de gens qui se rencontrent pour lire, louer des choses? Mais je t'avoue, c'est venu aussi du fait que moi, je sais que la plupart des gens vivent dans des appartements. Fait que le manque d'espace qu'on peut avoir, ben la bibliothèque vient combler ce bureau, l'accès à la littérature. On a nécessairement tout le temps les sous pour s'acheter les affaires. Fait que... Puis je pense que ça vient aussi de mon expérience de la bibliothèque. Hein? La bibliothèque, c'est là que j'ai rencontré des amis quand j'étais jeune. C'est
c'est là où je j'ai tellement de gens qui passent, en fait. Je me suis dit, c'est sûr que c'est là que je vais rencontrer des gens. La bibliothèque, pour moi, c'était vraiment me permettre d'aller rejoindre peut-être l'ensemble des gens du quartier. J'ai vraiment eu un gros support de l'ensemble des bibliothécaires. Trouvé que c'est une idée géniale, beaucoup d'accompagnement. Fait que pour moi, ça a été comme... Déjà, juste de rentrer en relation autrement avec mes bibliothécaires, c'était quelque chose aussi de nouveau. Pas juste comme, ah, oh, savez-vous, elle le livre telle place, mais c'est comme, hey, j'aimerais mettre ça en place. Puis, oh, ben là, ben oui, cool, la promotion de la lecture.